Je sais pas pourquoi je fais ça. Non mais en fait, je voulais juste descendre, tu vois. Genre juste descendre pour m'accrocher à là et remonter. Bon, c'est pas grave, là, on va pas t'en vouloir, on va refaire la manip. C'est exactement ça, Clément. Faudrait freiner, je suis là. C'est honnêtement, je pense qu'un Assassin's Creed, c'est comme un Call of Duty, mec. Un Call of Duty qui sort comme Black Ops 3, honnêtement, les mecs, ils se sont préparés depuis 2-3 ans, voire 4 ans. Et les mecs, genre, ils ont fait vraiment du bon boulot, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux, que tu aimes ou pas la licence. Donc, après, voilà, tu sors un AC tous les ans. Pour moi, je sais pas, genre, j'arrive pas, quoi. J'arrive plus à accrocher au truc. Honnêtement, j'ai fait le dernier, j'ai l'ai fait, hein, parce que, genre, il y avait des choses qui m'ont plu dans le dernier, qui étaient intéressantes. Et plus j'avançais dans le jeu, plus je me suis rendu compte que, en fait, non, ils ont rien. Y'a rien qui a été changé sur le jeu en fait, c'était juste de la poudre aux yeux. Mais après encore une fois... Peut-être que ça va amener à les améliorer et à faire peut-être que le prochain en Égypte qui sortira sera beaucoup mieux et... Et on verra quoi. Salut Remix. On verra. Allez, on se remet un petit peu dans la rale équipe. Oui, j'ai pas voulu le dire Crémo, mais c'est bien sûr que c'est à cause des versions pirates qui le sortent avant sur console. Il est forcément là. Même venant de toi, Lara. Ceci dit, je sais pourquoi tu n'as pas pressé la détente. Si tu me tues, mes hommes te pulvériseront en moins de deux. C'est bien la seule chose qu'ils savent faire mieux que toi. La ferme, Anna. On ne bouge plus. Tu ne peux pas t'échapper. Tu es là. Allez. Considère mon offre, Lara, avant qu'il ne soit trop tard. Il est trop tard depuis le moment où t'as trahi ma famille. C'est moi qui pars avec l'Atlas, Anna. Il y a quelque chose qui est en train de massacrer mes hommes, Lara. S'ils n'ont pas réussi à le trouver, tu ne le trouveras pas. Va te faire foutre. Croft arrive vers vous. Tu es là, et rapportez-moi cette saleté d'Atlas. Ça. Wow. J'ai devancé Anna, mais je ne sais pas dans quoi j'ai mis les pieds. Il y a quelque chose d'autre qui évolue dans l'obscurité de cet endroit. Quoi qu'il en soit, je dois continuer. Je suis trop près du but. Anna pense me connaître, et c'est peut-être le cas d'une certaine manière. Mais elle ne sait pas tout, et tant qu'elle continuera à me sous-estimer, j'aurai une chance de garder l'avantage. Une vieille fresque. Et tous ces contenants. Du feu grégeois. Les soldats immortels du prophète. Armés du feu grégeois. Ils étaient impitoyables.
Je suis dans le jeu, excusez-moi l'équipe, mais je suis vraiment dans le jeu, donc là je suis... Ça va être dedans, hein. Cette odeur... Oh non... Brûlé vif... Bon sang! Qui a bien pu faire ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voici maintenant un mois que je fréquente le forum pour écouter le prophète. Je porte les vêtements de la plèbe, car il ne siérait pas au fils d'une grande famille d'être vu en ce lieu. La rumeur court que les nobles et les hommes d'église de l'Occident cherchent à faire taire le prophète. Je ne peux qu'écouter et rapporter les paroles du grand homme. Nul n'a jamais dit la vérité sur Dieu, car nul ne la connaît. La foi du paysan ou du soldat est plus sacrée que celle de tous les seigneurs et empereurs. Ceux qui prétendent parler au nom du Créateur nous mentent. Aucun homme ne peut parler pour lui, car sa voix est dans le ciel, dans l'eau et dans tout ce qui nous entoure. Je pense que je vais me réserver les bonbonnes de gaz au sol là. Ça me fait flipper un peu. Hein. Allumez-la.
non. Ouais, Shidro, ça vaut quoi, frérot? Tu souffres. Assez pour faire sauter tout cet endroit. Désolé, je suis dans le jeu, là, honnêtement. Je regarde pas trop le chat. Je suis vraiment dedans. Là, je l'ai vu. Ok, je crois que j'ai trouvé une sortie. La statue n'est pas stable. Il va falloir que je me serve du feu grégeois. Il ne me reste plus qu'à me débarrasser des autres renforts. Moi, je faut que ce bordel, quoi. Il faut d'abord que je trouve un contenant de feu grégeois. Il y a sûrement d'autres contenants de feu grégeois. Il faut que je les trouve. A plus, Pax. Excellente soirée, frérot. Il y a sûrement d'autres contenants de feu grégeois. Il faut que je les trouve. Du soufre. C'est ce que j'essaye. C'est sûrement là qu'ils préparaient les ingrédients pour concocter le feu grégeois. Il y a sûrement d'autres contenants de feu grégeois. Il faut que je les trouve.
Salut Arnaud, ça va ou quoi? Je savais qu'il y a des pièges, en fait je voulais l'esquiver. Mon perso est allé dessus en fait. J'ai pas compris. Genre Lara elle a mis le pied dessus alors que j'ai voulu esquiver, vous voyez ce que je veux dire? Je suis passé sur le côté. Bizarre. Non c'est pas grave hein. Mais c'est chelou. Il faut d'abord que je trouve un contenant de feu grégeois. Ça devrait dégager un peu le passage. Je ne me suis pas encore occupée de ça. Il faudra que je revienne. Je dois trouver un moyen d'utiliser l'eau. Il ne faut pas le laisser près du feu. Où est-ce que je peux l'attacher? Non, sérieux? Je vais pas tirer une corde, mon frère. Allez, il ne reste plus qu'un renfort. Je vais avoir besoin d'un autre contenant. Des trucs sur ce jeu, tu fais des 2-3 mètres. Salut Swizz, ça va quoi? Bonne chance pour cette énigme para aller casse-tête. Merci Dark. Je vais avoir besoin d'un autre contenant. Est-ce que déjà il faut que je refasse glisser le tonneau? Je pense que oui, hein, parce que genre c'est l'endroit où...
Je vais avoir besoin d'un autre contenant. Il faut d'abord que je trouve un contenant de feu grégeois. Ah bah voilà, là il y en a un déjà, ok. Donc ça servait à rien de... Encore des contenants de feu grégeois. Il y en a tellement. Je dis pas qu'il va falloir que je catapulte le bordel ou... Alors on peut sortir deux par deux. Non, on peut en sortir plus. Mais ça va me servir à rien, hein, honnêtement. Alors j'ai l'impression qu'il va falloir que je bouge ce truc. Encore des contenants de feu grégeois. Il faut que je trouve un moyen de les amener là-bas. Alors laissez-moi réfléchir deux petites secondes. Sachant que je vois pas trop en fait où je pourrais faire pivoter ce bordel. J'ai l'impression que ça peut pivoter. Hein. Est-ce qu'il faut que je prenne de la hauteur ? Encore des contenants de feu grégeois. Par contre, il faut que je trouve un moyen de les amener là-bas. À chaque fois que je clique sur le repère qui m'a... On a dû vouloir les stocker là. Mais au final, ces contenants sont cassés. Salut Leroy, ça va quoi, ben? C'est comme s'ils étaient toujours sur pied de guerre. Voilà, elle raconte l'histoire des... des trinitaires et... des immortels surtout, je pense. Alors. Oula. J'ai pas encore fini ici. Je reviendrai par ce chemin-là. Réfléchis, réfléchis. Où est-ce que tu peux l'accrocher ? Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc en haut là ? Sur ça? Non. Pas moins une grappe ici, une grappe là, ça arrive. À quoi bon? Nice, d'accord. Merde, on dirait que c'est bugué. Oh merde. Bon, déjà j'ai trouvé qu'on pouvait accrocher ça. Le problème c'est que ça met d'aucune utilité quoi. Mais vraiment. D'aucune utilité.
Alors, est-ce que... Je pense qu'il y a moyen de... J'ai pas encore fini ici. Je pense que une fois qu'on a stratégié ça, en fait, on peut faire tourner le bordel comme j'ai dit au début, mais je ne sais pas comment je pourrais faire ça. Comment je pourrais faire pivoter. Attendez. Et si je... Non, non, non. Si, non. Non, j'aurais pensé que... Pourquoi celui-ci... que ça. Oh la merde. À part si le tonneau se bloque. Ok, nice. Ouais, ben c'est bon, nice. Bon, c'était pas si dur que ça, malgré qu'au début, j'étais un petit peu perdu. J'ai pas mon chien. Ces gens, les immortels. Vite, Lara. Non. Oh, je pensais pas qu'elle allait pas monter. Non, j'aime pas quand ça casse le truc comme ça. C'est le premier que je fais. La vache. C'est relou. What? La vache. Wow. Et je vole pas là contre sa race. Tu l'as lâché. Non, oh non, on va pas faire comme ça, c'est sans fond. Oh non non. Non non non. Ah, avec moi, c'est soit ça passe en un coup, soit je suis obligé de recommencer 25 millions de fois, quoi, c'est ça. Mais du coup, la scène prend... Finalement... Elle s'accroche pas, frère. Eh si si, tu vas recommencer. Oh non non. Non non non. Tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi ça passe pas. Parce que je fais pas le double saut avant. Voilà pourquoi. Ah
What? Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse ça. Allez, allez encore un peu. Non! Mais pourquoi t'as pas sauté, salope? Jacob, j'ai réussi. J'en suis sortie. Lara, Dieu merci, vous êtes vivante. Apportez-moi l'Atlas à notre observatoire, dans les montagnes. Très bien, j'arrive. Putain, petite mise en PLS quand même, là, c'est chaud. Hein. Rien d'extraordinaire, mais je sais pas. Des fois, des doubles sauts que j'arrivais pas, j'appuie sur espace, ça marchait pas. Et puis, pas mal de... Beaucoup de fail. Ben il en fallait, hein. C'est, je vous ai dit, quand je rate un truc, en fait j'en rate peu, mais quand je le rate, c'est en boucle, en boucle, en boucle. Salut tonton, ça va quoi? Bien. Et là du coup elle m'a mis en PLS de connasse, pardon, excusez-moi, mais vraiment quoi. Elle voulait pas, je sais pas, elle voulait pas. Putain, quel déhanché. Arrêtez de regarder son cul, arrête. Arrête. Ça va quoi, tonton? Ben, ça fait un moment que je peux passer sur tes streams, frérot. Ce moment avec. Avec ma vie, ma fille, les jeux que je joue, j'ai. Je fais plus rien, frère. J'espère que ça va. Que ta famille va bien, gros. Que tes enfants vont bien. J'ai pas de bêtises de deux fils. Et que ta femme va très très bien, gros. On était un peu malade, nous, en ce moment. Pas mal de merde. Salut Achille, ça va quoi? Ben. Là! Ça va, merci tonton. Jonah, c'est toi? Ma petite caille, t'es vivante, je le savais. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Jonah? Bon sang, Jonah, qu'est-ce que tu fiches ici? Où est-ce que t'es? Je suis là-haut, dans une sorte de forteresse. Tu pourras remercier Jacob. Les siens m'ont récupéré à moitié mort dans la toundra. Les bâtards. Tu as fait tout ce chemin pour me retrouver. Ça va, c'était pas si terrible. Je t'ai dit que je veillais sur toi. J'allais pas te laisser toute seule ici. Je viens à ta rencontre. Ne bouge pas de là. Ça, c'est pas au programme. Fais gaffe à toi. Autant de jeu, hein. Ouais, c'est la merde. Eh ouais, tu m'étonnes, quoi. Eh, c'est partout pareil, hein. Je crois que t'as vu, genre... tous les minots, ils se refilent leur maladie, etc, etc. Bonne nuit, Frozen. Excellente soirée, frérot. Oh, regardez-moi ces vues, putain, j'en ai marre de ce jeu. C'est beau. C'est quoi ça? Ah, ça va. Lara, ravi que vous soyez toujours des nôtres. Les envahisseurs sont disséminés dans la vallée. Oh, figure que tu as. On peut les repousser partout où on le peut. Si vous voulez nous y aider, vous êtes la bienvenue. On sait qu'on peut vous faire confiance. Mais du coup, tu me donnes une mission ou... Non, en fait, tu me donnes pas de mission. C'est juste comme ça, tu veux me parler, genre en mode... Oh là là, quoi. N'importe quoi. Ok. Faut se refaire, hein. Salut, ça va quoi, ben? Ça part en couille, sinon, là. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait qu'ils font exprès à chaque fois de mettre des spots, tu as vu, genre pour qu'on se dise putain c'est magnifique et tout, le background du jeu il est juste énorme. C'est des ouf. Petite musique. Mort. Jonah. Oh putain, j'en pleure. T'as pas bonne mine. Mais au moins... T'as le sourire. J'avais raison, Jonah. Mon père avait raison. La source divine existe.
J'aurais tant voulu qu'il voit ça. Il serait tellement fier. Sophia m'a dit tout ce que t'as fait pour son peuple. Lara, ravie de te revoir, Sophia. Jacob t'attend dans l'observatoire. Les fondateurs de Kitej étaient de brillants artisans. Ils venaient dans cette pièce pour visualiser l'Atlas. Jonah, tire sur ces chaînes. Avec plaisir. Wow. Impressionnant le bordel. Oh le portail. Incroyable. Ils ont dû s'en servir pour planifier la construction de la cité. C'est comme un dessin technique. Exactement. On dirait que tout l'ensemble émane de ce point. Ce qui placerait le cœur de la cité juste sous le lac. Mais il y a quelque chose qui cloche. La cathédrale, où se trouvait l'Atlas, elle n'est pas du bon côté du plan. Fais-le encore pivoter. Stop ! On y est. Kitej ne se trouve pas sous le lac. La cité est sous le glacier. Et c'est là aussi qu'est la source divine. Comment on va faire pour traverser cette glace ? Attends. Ce chemin-là mène droit à la cité. La cathédrale. Merci, Michonne. Bonne soirée. Et la tour est de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'entrée de Kitej est forcément. Ici. L'entrée de Kitej est ici. Vous le saviez. What? Il faudra pas longtemps au Trinitaire pour découvrir où se trouve la source. Mais je peux pas laisser tomber Jonah. Même si ça implique de faire une croix sur la vérité que vous recherchez. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une fois. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Courageuse la petite quand même. Elle renonce jamais, hein. Ça fait plaisir.
Si Jonah est en vie, ils doivent le détenir dans l'ancien goulag soviétique. Je n'ai aucune envie de retourner dans cet endroit sinistre. Mais je ne peux pas le laisser aux mains des Trinitaires. D'accord, donc on est reparti. Dans les glaciers. Jonah, tiens bon. Sophia, tu es là ? Lara, est-ce que tout va bien ? Oui, je suis près de l'usine de cuivre. J'ai une vue imprenable sur le goulag. Je m'apprête à aller chercher Jonah. Je vois où tu es. On a caché une réserve d'armes dans ce coin la première fois qu'on a attaqué les Trinitaires. Tu vas en avoir besoin. Merci, Sophia. On se revoit quand j'aurai réglé ça. Trouver le coffre, je pense que voilà, c'est pas très 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 dur. Alors, flèche à tête crantée. Lancer des flèches à escalader dans le... Oh, d'accord. T'es sérieux? Souris bouton gauche jusqu'à ce que le tir soit chargé au maximum avant de le lancer. Bordeaux. Ah, mais d'accord, en fait, je peux le faire. Ah, ok. Bon, par contre, on est reparti dans le froid. On va changer d'équipement. Et l'Atlas. Parce que je veux pas non plus qu'elle attrape la crève. Je pense qu'il sait quelque chose. Il y a encore une chance qu'il le garde prisonnier. J'espère simplement que Jonah tiendra le coup. Le temps que je le retrouve. Je dois le ramener. Je ne le laisserai pas mourir ici. J'hésite entre le rouge. Tiens, mon Jonah. J'arrive. Et le blanc. Sachant qu'on va être dans la neige, on va prendre blanc, check. On va prendre blanc. Ah merde, par contre, j'ai pas vu qu'il y avait des. Bon, toujours pas. Il me manque pas mal de petits trucs là. J'aurais dû chasser tout à l'heure comme un con. Je n'ai pas fait, ça va prendre. Vitesse de rechargement ou dégâts. Allez. J'avoue, Texo. Blanc passe crème comme ça. Intuition, soif de connaissance, gagner des bonus XP. Ce serait plus castagneur, donc tu vois. Bon, ils veulent que je crante mon... Ok. Encore de la propagande. Salut, Nextra. La fin du jeu est 10 fois plus dure que là où tu es. Pourquoi tu me dis ça, en fait? Je comprends pas. Putain, quel con. Oh, je sais pas compris pourquoi elle a fait ça. De toute façon, on a plus rien à foutre ici. Non. On se casse. C'est cool, mais assez compliqué parce que c'est pas simple de comparer. Après, j'ai dit peut-être j'ai quelque chose. Je me suis pas rendu compte. Bon, il va falloir qu'on monte de toute façon. Tu sais, Tomb Raider, c'est pas non plus genre extrême. La tempête se rapproche. Mais je suis d'accord, hein, peut-être que ça va se corser. Plus on va avancer, plus ça va se corser. Salut ABZ, ça va quoi? Bien. Faut passer par là. Ouais, je pense qu'en blanc, on a fait le bon choix de se mettre en blanc.
Oh le con. Ah ça va. Ah. D'accord. Est-ce qu'on peut en planter plusieurs en fait? Ouais c'est si en fait. Oh nice. Ouais mais d'accord ok non mais... On peut faire comme ça? Ouais nice d'accord. Tout est écrit dans la description MZ. Re 06. Ah bien. Le problème c'est que si tu me le donnes maintenant, ça casse les couilles parce que je sors de feu de camp. Mais bon. Ben tu peux quand même les voir sur mobile gros. Et je vais pas te casser la tête gros, mais je vais pas commencer à sortir. Il faut que je trouve un refuge. T'as juste à faire glisser ta page sur la droite si je dis pas de conneries. Et normalement dans les infos t'as juste à descendre. Je connais pas mes trucs par cœur, hein, au sens je te l'aurais dit gros. Lara en PLS. Je n'aurais pas dû douter de toi, papa. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolée. Tout le monde saura que tu avais raison depuis le début. Que tout ceci était réel. Que tu n'étais pas fou. Je vais le prouver, papa. Je te le promets. Lara, dépêche-toi. Jonah t'attend. Jonah. D'un coup comme ça, genre, qu'est-ce qu'elle a eu? Bah gelée, mais ce qu'il doit être gelée. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi ça alors que... C'est bizarre. Mais en tout cas ce jeu c'est une tuerie. Honnêtement je suis vraiment dedans Nextra. Vraiment. Je suis vraiment dedans. Je suis pas trop fan de ce style de jeu. Mais je me laisse vraiment guider. J'apprécie. J'apprécie le jeu. Enfin, j'ai failli fail. J'apprécie le jeu vraiment. Et ça fait du bien une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans de jouer à un jeu comme ça. Sachant qu'il y a Nathan Drake qui arrive aussi cette année sur PS4. Je pense que la comparaison va être flagrante, hein, on va pas se mentir. Mais je suis vraiment content de jouer un petit peu à Lara Croft, ça fait plaisir. J'aime bien, ça part un petit peu en couille à droite à gauche et tout, c'est cool quoi. Alors honnêtement ABZ, encore une fois frérot, j'aimerais bien t'aider. Mais je connais... Oh putain merde. Je m'y connais pas tant que ça en PC, tu vois ce que je te dire. Donc ça serait vraiment cool hein. J'ai un ami qui s'y connaît vraiment bien. Le souci c'est que moi je suis une merde, c'est des collègues qui me montrent mon PC, etc. etc. Et je veux pas te dire de bêtises, donc je préfère ne rien te dire plutôt que te dire de la merde. Tu vois ce que je te dire. Jonah doit être là-bas, quelque part. Extraordinaire. À moins que des personnes sur le stream s'y connaissent. Hein. Elle est au cœur de la cité antique, enfouie sous la glace. Alors ne perdons pas de temps. Je préviens les équipes de forage et j'organise le transport. Nos hommes ont rencontré les immortels dans les archives. Ça ne va pas être facile, petit frère. La voie sainte est un chemin pavé d'embûches. Les hommes sont-ils conscients de ce qui les attend? Non. Mais ils sont entraînés au combat et prêts à mourir pour la cause. C'est tout ce qu'on leur demande. Constantin, maintenant que nous sommes proches de la fin... Mais non, nous n'en sommes qu'au début. J'ai peur que nous ne soyons que des marionnettes.
Et si les Trinitaires ne te laissaient pas garder la source, il faut qu'on soit prêts. Non. Tu dois garder la foi. Je n'ai pas été choisi par les Trinitaires. Une fois que j'aurai récupéré la source, tout ça ne sera plus un problème. Je serai à la tête de l'armée immortelle de Dieu. Et toi, tu ne mourras pas. Constantin, le prisonnier est prêt. On vous attend pour l'interrogatoire. Je me mets en route. C'est un show, hein. C'est un show. Donc j'écris entre temps, hein, j'écris un petit peu aux gens qui me parlent aussi sur le chat. Désolé, je ne parle pas pendant les cinématiques. Toutes les vidéos, en fait, la vidéo sera rediffusée sur YouTube. Du coup... D'accord, ok, je comprenais plus. Du coup, en fait, je ne parle pas pendant les cinématiques pour laisser profiter aux gens qui regarderaient les rediffs. Et puis même moi qui aimerais profiter aussi un petit peu du jeu. Alors le lundi habituellement c'est mon jour de repos, mais exceptionnellement peut-être, hein, je suis pas sûr. Ça va dépendre comment je me sens que je stream, parce que la bêta de The Division a été repoussée encore de 24 heures. Et ça serait cool de se faire un petit peu de Dark Zone, de monter un petit peu au level. Donc je verrai. Salut Galax, ça vaut quoi? Donc je vais voir comment ça se passe. Pour l'instant on est sur Lara, on va voir tranquille. Des traces. Des traces. Ben, tu sais quoi? Merde. Ils sont partout. On est là. La gâchette qui me démange, désolé. T'as vu bouger, t'as réagi. J'aurais fait la même chose. Oh, ça tient. Désolé, j'ai la gâchette facile. Tu vois, blanc dans la neige. On a fait le bon choix, Texo. On a fait le bon choix. Je le sentais bien, la petite combi blanche. Alors, danger. Il va falloir faire un truc avec l'environnement, c'est ça? Il va falloir interagir. Des champignons par-ci.